L'objectif du département mesures physiques de l'IUT est de former en deux ou trois ans des techniciens mesures physiques. Dans cette vidéo, je voudrais présenter le métier mesures physiques, le métier de technicien mesures physiques, en discutant le profil et les compétences type de ce technicien, l'adéquation entre la formation au sein de l'IUT. Et le métier, ainsi que les lieux d'insertion professionnels et les différentes missions qui vont être confiées à ces techniciens. Tout d'abord, on va revenir sur le DUT mesure physique et les principales compétences qui sont visées. Les principales compétences visées sont la pratique professionnelle de la mesure, des mesures de pression, de température, de débit, de niveau, de dimension, d'accélération, de rayonnement, etc. etc la pratique professionnelle de la mesure. Ainsi que la mise en œuvre de chaînes de mesure et de conditionnement du signal. On a l'habitude de dire que tout ce qu'il y a du capteur à l'ordinateur nous concerne, capteur et ordinateur inclus. La spécificité de mesure physique, c'est le très large spectre thématique. Thermique, acoustique, énergétique, hydraulique, aérolique, électrique, dimensionnel, rhéologie. Vibrations, propriétés des matériaux et j'en passe, tout ce qui se mesure concerne mesure physique. Si on découpe la formation en gros blocs, on va trouver un premier bloc de physique avec de l'acoustique, de la thermodynamique, de la mécanique des fluides, de l'optique, de la radioactivité, du magnétisme qui sont abordés sur des cours et des TP et des TD, mais aussi par le biais de TP dans lequel on met en pratique ces notions de manière à réaliser des mesures, des mesures calorimétriques, comme dans cet exemple, des mesures optiques grâce à des instruments d'optique dédiés, ou des mesures électromagnétiques, comme ces deux étudiants en train de travailler sur le champ magnétique induit par des, par des bobines. Deuxième bloc de connaissances, la chimie et les matériaux. En fait, nous allons apprendre à nos étudiants les bonnes pratiques du laboratoire. Un laboratoire de chimie et de matériaux est un endroit dans lequel on va trouver souvent des produits qui sont dangereux. Ces produits nécessitent une certaine méthodologie. En fait, de respecter des normes, de respecter des consignes de sécurité à la lettre et de ne jamais en déroger. Donc ça, c'est un aspect très important de notre formation, la sécurité lorsque l'on manipule. Au-delà de ça, nous formons nos étudiants aux analyses physico-chimiques, comme la chromatographie par exemple, ou la spectroscopie de masse, la spectroscopie infrarouge, la spectroscopie UV, et sur les tests et essais sur des matériaux, comme par exemple ici, des mesures de viscosité, grâce à un viscosimètre de type professionnel, des mesures de viscosité sur des échantillons de fluides. Troisième bloc, électricité et électronique. Donc cela va concerner la transformation d'énergie, l'électronique analogique, l'électronique numérique et l'automatique. Tout va tourner beaucoup autour des mesures. Par exemple ici, la mesure de puissance électrique grâce à un instrument professionnel qui est dédié à cette mesure de puissance. Mais aussi des mesures, par exemple avec cet étudiant, qui va faire des mesures sur, des, sur du triphasé, sur donc le, 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 la l'attention la tension triphasée, qui, euh, qui ont des mesures de puissance, des mesures de déphasage, tout ce, tout ce type de mesures grâce, grâce à, un, à, un TP, à un TP dédié. Nous allons former nos étudiants aussi à l'instrumentation, les capteurs, la chaîne d'acquisition entre le capteur et l'ordinateur, ainsi que tout ce qui est programmation de bandes de test, et donc euh, expérimenter sur des bandes d'étalonnage de haut niveau, comme ici par exemple un banc d'étalonnage de capteurs de pression. Ce sont des capteurs de type industriel qui sont en fait étalonnés euh, grâce à un, un, un banc d'étalonnage dédié sur lequel nos étudiants sont formés. Et nos étudiants apprennent également des langages d'informatique instrumentale. Ce sont des langages de haut niveau. Le langage LabView par exemple, qui est un langage graphique qui est beaucoup utilisé dans les entreprises. Dans les entreprises qui produisent des bandes de tests, donc dans les milieux professionnels, pour réaliser des bandes de tests, et donc nos étudiants sont, sont, sont appréciés dans les entreprises parce qu'ils sont formés sur ces, sur ces langages-là. Les étudiants font également de la métrologie, avec en particulier de l'estimation d'incertitude selon deux méthodologies, ce que l'on appelle le GUM et l'ISO 5725, et en étant formé à toute une méthodologie de la mesure, et cela c'est beaucoup plus transverse, dans tous les modules on pratique la mesure. Donc nos étudiants formés à l'estimation d'incertitude savent faire des bilans d'incertitude comme ceci, sous forme de tableau, où on voit les différentes composantes d'incertitude sur une mesure qui vont jouer, et qui permettent donc d'analyser les incertitudes qui jouent sur les mesures. Pour finir, évidemment, cette formation est complémentée par de l'anglais, des cours de communication, de la gestion de projet, tout ce qui concerne, en fait, tout ce qui permet de former des techniciens qui, sont, qui, sont, qui seront dans l'entreprise, appréciés dans l'entreprise. Si on fait l'expérience de rentrer les mots « technicien, mesure physique » Dans un moteur de recherche d'un serveur d'offres d'emploi, comme par exemple ici je l'ai fait sur Indeed, le serveur Indeed, on voit apparaître 1325 offres d'emploi sur le territoire français. Ces, ces offres d'emploi ne sont pas séries à la région toulousienne, mais sont sur, le, sur la France entière. 1325 offres d'emploi. Et ces mots technicien mesures physiques vont avoir, ces emplois vont avoir de nombreuses dénominations. On trouve des nominations comme technicien de test et essai, de laboratoire, technicien métrologie, technicien de prélèvement, technicien d'essai en vol, technicien qualité, technicien d'analyse, etc. etc. D'où une certaine nécessité de faire un peu le tri. Et c'est le but de cette vidéo, de vous montrer que ces différentes dénominations, en fait, concernent le technicien mesure physique. C'est simplement des... Des précisions qui sont apportées sur le lieu d'insertion ou sur les différentes missions qui vont être confiées à ce technicien qui fait que les dénominations changent. Mais derrière, c'est tout le technicien mesure physique. Donc en analysant ces offres d'emploi, on va s'apercevoir très rapidement que les lieux d'insertion professionnels sont très variés. On va d'abord trouver des entreprises de production production aéronautique, énergie, automobile, etc. Toutes ces entreprises où on va produire, on a un produit à réaliser. Et les techniciens mesures physiques vont se retrouver insérés dans des services, dans différents services au sein de ces entreprises. Les différents services sont les services de R&D, les bureaux de recherche et développement, les bureaux d'études internes, ce que l'on appelle les services méthodes, les services de tests et essais, les services de métrologie ou les services qualité. On trouve aussi des offres d'emploi qui concernent les entreprises de haute technologie, en particulier l'aérospatiale. On va trouver des offres d'emploi qui concernent des bureaux d'études, bureaux d'études en thermique, en acoustique et en environnement. Et on va trouver des offres d'emploi concernant des entreprises de métrologie, métrologie légale ou ce qu'on appelle des sous-traitants de métrologie. Et puis des laboratoires, en recherche privée et en recherche publique. Tous ces lieux d'insertion. Je vais, les, je vais les détailler dans, le, dans la suite de la vidéo pour qu'on se rende compte quelle est l'adéquation, de l'adéquation entre les techniciens mesures physiques et les missions qui sont confiées à des techniciens dans ces différents services. Donc on va commencer par les entreprises de production et le bureau d'études. Le bureau d'études est un service... Avec une très haute expertise à caractère scientifique et technique. Dans ce bureau d'études, on va concevoir de nouveaux produits ou de nouvelles lignes de production. On va réaliser de la veille technologique. Il y a souvent une forte proportion d'ingénieurs ou de techniciens très expérimentés dans ces bureaux d'études. Que fera un technicien mesure physique dans un bureau d'études comme ceci Mais Le technicien mesure physique, c'est lui qui va être chargé de mettre en œuvre, de tester et de valider les prototypes. Les composants ou les nouveaux produits qui vont être conçus par le bureau d'études. Lorsqu'on conçoit un nouveau produit à réaliser, il faut vérifier que ce que l'on a prévu en termes de performance est vraiment ce qui va, ce qui va, ce qui va être sur l'objet réalisé. Et bien cela, pour cela, il faut réaliser des campagnes de mesure. Il faut mettre, il faut mettre les, les nouveaux produits sous épreuve. Il faut les tester. Et c'est la mise en œuvre de ces tests. Sera réalisé souvent par un technicien mesure physique qui va prendre en charge depuis la conception, bien sûr aidé par le bureau d'études, la conception du banc de test jusqu'à l'exploitation des résultats du banc de test qui a, été, qui a été mis en œuvre. Deuxième type de service dans lequel on va rencontrer des techniciens mesure physique, le bureau des méthodes, qu'on appelle quelquefois le bureau d'industrialisation. L'objectif de ce service est de concevoir et de fournir les outils, ou, les outils utiles à la production. C'est-à-dire, en fait, ils, ils, ils conçoivent comment réaliser réellement la production qui a été prévue par le bureau d'études. Ils améliorent la productivité globale de l'entreprise et, et les conditions de travail. Ils analysent les coûts et vérifient la faisabilité des produits. Que fera un technicien mesure physique au sein d'un tel bureau eh C'est lui qui va mettre en œuvre les chaînes de mesure et de contrôle sur la chaîne de production, de sorte à pouvoir faire les vérifications indispensables pour vérifier si la production réalisée est de, de qualité, si les objectifs sont, 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 bien, sont bien atteints. Il réalisera également la maintenance de ces moyens de production. Une chaîne de production, on a, sur une chaîne de production, on peut avoir des outils qui s'usent, dont les performances vont être dégradées. Cela va se voir sur des mesures. Et ces mesures, quand on les analyse, on va pouvoir savoir à quel moment et à quel endroit de la chaîne de production la, la, le mauvais fonctionnement est apparu et par conséquent réaliser la maintenance sur cette chaîne de production. Encore une fois, les mesures sont au cœur de l'industrialisation. Il faut mesurer pour contrôler les performances. Et donc le technicien mesure physique, quel que soit le domaine dans lequel il évolue professionnellement, hydraulique, thermique, etc., quel que soit ce domaine-là, ce technicien est au cœur de ce processus de contrôle. On reste dans les entreprises de production, le service qualité. Dans ce service, ce service a pour but de mettre en œuvre des actions permettant de garantir et d'améliorer la qualité d'une production. On parle quelquefois de satisfaction client. Que peut faire le technicien à mesure physique dans un tel service Eh bien, c'est lui qui va mettre en œuvre, qui va réellement réaliser les contrôles, le suivi de la production, la formation des personnels. Il va souvent être à l'interface entre le service qualité et les ateliers pour réellement mettre en œuvre ce que les serv le service qualité a imaginé. Il va permettre la diffusion de la qualité dans les services. Et encore une fois, la mesure et les moyens contrôles sous forme, par exemple, de cartes de contrôle, on mesure un paramètre en fonction du temps, on trace son évolution en fonction du temps, et on essaye d'imaginer ce que va être la production dans le futur pour essayer de prédire si la production va se dégrader, de sorte à pouvoir agir à temps avant que le, le, le mauvais fonctionnement arrive. Mais tout cela sera mis en œuvre par un technicien, peut être mis en œuvre par un technicien à mesure physique. Dans les entreprises de production, on va souvent trouver un service de métrologie. Alors, dans les services de métrologie, on va trouver de très très nombreux techniciens à mesure physique. Souvent, c'est l'essentiel des gens qui travaillent dans les services de métrologie qui viennent d'une formation à mesure physique. L'objectif de ce service de métrologie est de la gestion du parc d'appareils de mesure, tout le parc de l'entreprise, et la maîtrise des incertitudes de mesure. Lorsqu'une mesure est réalisée, il y a une incertitude qui est inévitable sur cette mesure. Maîtriser cette incertitude de mesure, c'est-à-dire en fait la connaître, de manière à, à essayer de voir si, cette, si la mesure est acceptable, si, on peut, si la mesure garantit vraiment que le produit a été fabriqué avec, un, avec qualité, eh bien tout cela, tout cela concerne le technicien mesure physique puisque toutes ces notions sont au cœur de notre formation. La mise en œuvre également de bandes d'étalonnage est au cœur de notre formation et c'est le quotidien dans les services de métrologie. Donc le service de métrologie est un, est un service dans lequel on va trouver de très, très nombreux techniciens mesure physique. Voici un exemple de ce fonctionnement sur une chaîne de production, celle de l'Airbus A350. Pour monter un avion, le montage d'un avion requiert des centaines d'outils des visseuses électriques, des clés dynamométriques et des appareils de contrôle, des pieds à coulisses, des micromètres, des thermomètres, tout un tas d'appareils qui réalisent des mesures. Eh bien, tous ces outils et tous les appareils de contrôle, tous les appareils de mesure sont pris en charge par le service de métrologie. Par exemple, les visseuses sont étalonnées. En fait on étalonne le couple de vissage des visseuses. Une visseuse un, pour visser à un certain endroit, par exemple les, les, les ailes ou je ne sais quoi, sur, sur un avion, eh bien ce, cette opération de vissage doit se faire avec un certain couple qui est, euh, qui est décrit dans tout un tas de documents qui est réellement euh, vraiment fixé de manière très précise hein, sur, des, sur des critères techniques et il faut respecter ces critères-là. C'est évidemment capital dans le cas de la construction d'un avion. Et donc, par conséquent, il faut, être, il faut garantir que les visseuses qui sont utilisées, eh bien, elles vissent exactement au couple qui a été prévu. Donc ça, ça s'étalonne, ça se vérifie, ça se vérifie régulièrement. Et euh, le service métrologie est là pour garantir que toutes ces visseuses sont correctement étalonnées et peuvent être utilisées dans le, dans le, dans le service de montage. Donc le technicien mesure physique va organiser le parc d'instruments et d'outils, de sorte à pouvoir gérer les étalonnages, ce que l'on appelle l'étalonnage initial et l'étalonnage périodique. L'étalonnage initial, c'est à la réception d'un nouvel outil ou d'un nouvel instrument de mesure. On l'étalonne avant de le mettre en service et ensuite, périodiquement, on le suit en métrologie, on suit ses performances en métrologie de, de sorte à garantir que cet, cet outil ou cet instrument de mesure ben, répond bien aux, aux spécifications qu'on lui demande. Donc le, le, le métier mesure physique va aussi consister à optimiser toutes ses performances. Le technicien mesure physique est un, éche est un, est un, est un, un, un échelon extrêmement important pour... pour pour garantir d'abord la rapidité, il faut s'occuper de ces instruments, de ces outils et de ces instruments extrêmement rapidement. On ne peut pas bloquer une chaîne de production parce qu'on a oublié d'étalonner une visseuse. C'est juste impossible. Et la fiabilité, la sécurité, évidemment, est, est au cœur de, cette, de, ce, de ce métier. Autre exemple le service des essais aéronautiques, essais en vol et essais en sol. En fait, tous les avions sont vérifiés sous toutes les coutures, on vérifie, on fait des mesures en permanence sur tous les avions, tous les circuits hydrauliques sont vérifiés, les circuits électriques, les systèmes mécaniques de train d'atterrissage, les commandes en vol, la surpression de l'air qui est injecté en cabine, les, la consommation du carburant, etc., etc., tout se mesure sur un avion, en fait. Les, il y a des campagnes de mesure lors des qualifications de nouveaux modèles. Par exemple, l'Airbus A380 en 2005 a fait ses premiers vols. Bien à l'intérieur de l'Airbus, il n'y avait pas des sièges des sièges passagers, mais tout un tas d'instrumentations et de bandes de tests pour euh, réaliser des, les campagnes de mesures nécessaires pour qualifier le nouveau modèle, c'est-à-dire en fait pour vérifier si ces performances permettent d'espérer que qu'on puisse le produire en, en grande série de manière sûre. On teste également les avions avant livraison. En fait, on garantit les paramètres, on garantit les paramètres, la consommation ou le taux de vibration en cabine ou le taux de bruit, le, le bruit en, en, en cabine sont garantis aux clients. Et si c'est garanti, si les, si les mesures ne sont pas correctes, ben, l'avion ne peut pas être testé. Donc tout un tas de tests se passent avant livraison. Et il y a également des tests de routine sur des pièces d'usure, etc., qui sont réalisés. En fait, de très, très, très nombreuses mesures sont réalisées et de très nombreux bancs de tests sont mis en œuvre pour garantir la sécurité des avions. bien, ce, dans, ce, dans cette thématique-là, de nombreux techniciens mesures physiques ont trouvé, trouvent... Trouve euh, des débouchés hein, de sorte à, à, à faire de la, donc de la pratique, de la mesure professionnelle dans ces entreprises-là. Passons aux entreprises dites de haute technologie, en particulier le spatial. Lorsqu'une entreprise de haute technologie réalise un satellite, un satellite est un objet unique avec sa charge utile extrêmement chère et, et un, vraiment un objet unique, c'est la prunelle de leurs yeux. Et donc on va faire tout un tas de bandes de tests pour qualifier tous les dispositifs de ce satellite, les dispositifs électroniques, des tests en vibration, des tests en compatibilité électromagnétique, des tests en thermique pour vérifier la résistance de la structure du satellite lorsqu'il va être... Satellisé, il va être éclairé très violemment par le soleil et donc par conséquent hein, sa, sa structure mécanique va être modifiée, elle va être distordue et donc il faut vérifier que le satellite ne va pas tout simplement mais se briser lorsqu'il va être éclairé en orbite. Donc toutes ces choses-là se, se vérifient par des campagnes de mesure, par des tests qui sont réalisés dans des entreprises de haute technologie comme par exemple Intespace, juste, juste à côté du CNES. On voit ici le satellite Imarsat qui va rentrer dans le caisson dans un caisson à vide intespace où il va être mis sous vide et éclairé très violemment pour essayer de mesurer pour mesurer la répartition de la température sur ce satellite-là et les différentes contraintes auxquelles ce satellite auquel ce satellite va être soumis lorsqu'il sera satellisé. Donc tous ces services de haute technologie en particulier donc dans le spatial les gens qu'ils mettent en œuvre, les techniciens qui mettent en œuvre réellement, qui réalisent les campagnes de mesures, qui mettent les capteurs, qui qu prévoient l'instrumentation, qui programment les ordinateurs, qui vont, qu vont réaliser les mesures et stocker les données, toute, ces, toute cette méthodologie-là, c'est une méthodologie pour laquelle nous formons des techniciens mesures physiques. Autre lieu d'insertion professionnelle des techniciens mesures physiques, les bureaux d'études. Il y a plusieurs thématiques possibles. Les bureaux d'études, tout d'abord en acoustique. Lorsque l'on désire, lorsqu'une administration ou un particulier désire modifier un aéroport, installer des éoliennes ou installer une industrie plutôt bruyante ou une salle de concert, il faut réaliser ce que l'on appelle des études d'impact. C'est-à-dire démontrer que l'installation que l'on va faire, la modification que l'on va faire, ne va pas trop perturber l'environnement et ne va pas trop déranger les voisins, et, et, etc. Et donc ça, ça se fait en réalisant des campagnes pour essayer de prouver cette chose-là. Il faut réaliser des campagnes de mesures traiter et exploiter des données et rédiger des rapports d'expertise. Ce sont des bureaux d'études qui font ça. Un bureau d'études, c'est une entreprise qui, est, qui souvent a... Relativement peu de salariés, ce n'est pas, pas des très grosses entreprises, et qui, avec des gens, avec des techniciens à l'intérieur polyvalents, capables à la fois de réaliser les mesures, mais aussi de les traiter et de rédiger le rapport, le rapport d'expertise à l'issue de ces mesures. Des techniciens mesures physiques sont dans des bureaux d'études acoustiques et sont très appréciés par les par les entreprises par ce genre d'entreprises mais aussi on a des, des bureaux d'études dans le domaine de l'environnement avec la mesure de la qualité de l'air à l'intérieur ou des, des habitations ou à l'extérieur de la pollution de l'eau et, et du caractère potable plus ou moins potable de l'eau donc tout ça c'est réalisé aussi peut-être réalisé et pris en charge par des techniciens mesures physiques et troisième thématique le thermique pour des mesures de performance des systèmes de chauffage et des mesures de perte calorique, par exemple sur l'exemple montré ici, la thermographie infrarouge permet de comprendre sur une habitation quels sont les principaux les principales voies par lesquelles on perd de la chaleur dans cette habitation. Et donc on peut comme ça expertiser et puis fournir, fournir ce service au, à, la, à la personne pour que, pour que son isolation, l'isolation qu'il va mettre en œuvre, soit, soit le plus efficace possible. Donc, toutes ces thématiques, l'acoustique, l'environnement, le thermique, tout ça se réalise dans ce que l'on appelle des bureaux d'études, dans lesquels on va trouver de nombreux techniciens à mesure physique. Ensuite, on trouve des entreprises strictement de métrologie. Ces entreprises prennent en charge la métrologie des entreprises, d'autres entreprises ou des collectivités. Elles sous-traitent, en fait. Elles prennent en charge la métrologie. Ces entreprises sont souvent des entreprises de, de, de haute qualité métrologique, avec des étalons euh, extrêmement précis et des méthodologies extrêmement précises. Elles prennent donc en charge le parc d'instruments de mesure d'autres entreprises. Il y a aussi la thématique de la métrologie légale, tout ce qui concerne en fait ce qui se mesure dans le cadre d'un commerce. Par exemple, ben la, balance, euh, la balance du boulanger euh, sur lequel il va, il va peser le pain, ben cette balance-là est contrôlée métrologiquement par une entreprise dont c'est le travail de garantir que cette balance travaille correctement, c'est-à-dire avec une certaine tolérance euh, permise, mais que le, le poids qui est affiché soit exactement, soit au mieux le, le, le poids réel. Les pompes, les pompes à essence sont également suivies en métrologie. Là aussi, on va trouver des métiers autour de la mesure physique et donc des techniciens mesure physique qui vont prendre en charge toutes ces mesures et toutes ces, toutes ces campagnes de mesure et cette métrologie légale. Pour finir, on va trouver de nombreux techniciens mesure physique dans les laboratoires de recherche. Il y a deux types de laboratoires de recherche la recherche privée dans lequel une entreprise peut développer, peut embaucher des chercheurs, des ingénieurs et des techniciens. Il faut savoir qu'un laboratoire de recherche, ce n'est pas que des chercheurs. Un laboratoire de recherche avec que des chercheurs, ça ne fonctionne pas. Un laboratoire de recherche, c'est des chercheurs, des ingénieurs et des techniciens. Et chacun a son rôle. Et donc, dans les laboratoires privés, on va trouver des techniciens, et en particulier donc des techniciens mesures physiques, qui vont mettre en œuvre les différentes méthodologies, les différentes expériences, les différents tests qui sont prévus par ce laboratoire de recherche. Dans un laboratoire privé, on a plutôt une, un objectif de production et de mise en œuvre et de mise en, en, en production de nouveaux produits. Et à côté, on va trouver bien sûr les laboratoires publics dans les laboratoires publics du CNRS, par exemple, ou le Cancéropole à côté de Toulouse, ou le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, qui a des, des, des établissements partout en France, on va trouver aussi des techniciens et des techniciens mesures physiques qui vont être là pour mettre en œuvre, pour réaliser, pour exploiter les résultats, pour travailler en collaboration avec les ingénieurs et les chercheurs de ces laboratoires de sorte à réellement mettre en œuvre les méthodologies et, et les, les recherches qui sont prévues dans ces laboratoires. Les techniciens sont, des, sont un, un rouage extrêmement important dans un laboratoire de recherche. J'ai essayé ici de résumer un peu le technicien mesure physique. On va donc trouver ce que l'on pourrait appeler le technicien d'essai, que ce soit dans un service de RD, de production ou dans l'aéronautique. En fait, le travail de ce technicien d'essai va être de définir la méthode de mesure la plus adaptée pour mettre à l'épreuve un système ou un produit. Concevoir, automatiser et mettre en œuvre ce moyen d'essai, réaliser les mesures, contrôler la conformité des résultats et rédiger la note finale d'essai, la note de synthèse. Donc voilà le, le travail du technicien d'essai. Ce n'est pas lui qui va définir le système, mais par contre, c'est lui qui va le tester, le mettre à l'épreuve. Deuxième grande catégorie, le technicien en bureau d'études, dont le travail sera de planifier les campagnes de mesure et puis de les réaliser, d'analyser les données et d'écrire le rapport de diagnostic sur ces données. Donc un métier euh, pluridisciplinaire qui permet donc de, 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 aux techniciens de mesure physique de, de s'exprimer pleinement. Technicien qualité. Le technicien qualité au sein de l'entreprise va participer à l'élaboration et la mise en œuvre des règles et des procédures et des consignes qualité. Et surtout, déterminer les moyens de contrôle les plus adaptés. Quelles sont les mesures que l'on doit faire Quels sont les relevés Quels seront les indicateurs numériques En fait, c'est lui qui va produire les chiffres, qui va vraiment chiffrer les, 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 méthodes, les méthodes et, et le, le gain qualité qu'il va y avoir lorsqu'on va mettre en œuvre ces méthodes-là, par le biais de mesures, par le biais de relevés, par le biais d'indicateurs. Il va identifier les non-conformités, c'est-à-dire qu'il faut savoir analyser ces données, analyser le dérive de ces données et prendre les mesures préventives ou correctives le plus rapidement possible, de manière à ce que la chaîne de la qualité ne soit pas brisée et que, et que euh, donc cette qualité soit assurée dans le temps. Et dernière fonction, technicien métrologique. Le technicien métrologie gère le parc d'instruments de mesure de l'entreprise, que ce soit en métrologie interne, il a son propre laboratoire, ou externe, à ce moment-là, il est l'interlocuteur, le technicien métrologie est l'interlocuteur privilégié du sous-traitant qui a pris en charge en externe, qui a pris en charge la métrologie de l'entreprise. Il conçoit et il utilise les moyens d'étalonnage et de vérification interne à l'entreprise, il, calcule les, il sait calculer les incertitudes de mesure, il les calcule et il les interprète statistiquement. Toutes ces thématiques que l'on voit ici, que ce soit un technicien d'essai, technicien bureau d'études, technicien qualité, technicien métrologie, toutes ces thématiques sont abordées et sont illustrées et abordées pendant les années de formation mesure physique. Merci de votre attention.